les bras mentalement. 4, 2, 3, 4. Bon tabarnak. On va mettre le plateau ici à light pour avoir pas trop de résistance dans la roulotte, de façon à ce qu'il puisse spinner comme ça longtemps. Je vais mettre de la force quand même. Quand on arrive dans la boîte 4, sur ma traque sortante, je vais baisser mon volume ici jusqu'à 8 environ. Donc pendant les 4 premiers temps, pendant 4, 2, 3, 4. Puis pendant les deuxième blocs, 5, 6, 7, 8, mais je vais lancer mon plateau. Soit pendant 5, 6, 7, 8, ou soit en deux temps, 5, 6, 7, 8, ou soit en un temps, 5, 6, 7, 8. Donc la longueur de mon backspin va être à ma discrétion. L'important, c'est que sur le temps 1 ici, 5, 6, 7, 8 et 1 sur notre boom, 5, 6, 7, 8 et boom, le son soit coupé. Donc, on fait un cut ici pour plus entendre le son de ce côté-là, puis qu'elle va continuer à jouer tout seul. Donc, c'est ça, c'est une sortie de mix. Donc là, pour l'exemple, ils sont cueillés en début de bar les deux, je vais les partir ensemble. 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5. Tant mieux de le faire 64, je vais le faire en 32. 4, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, backspin en deux temps. Et t'as pas de neuf! Donc, rewind, si on rembobine, le point est en contact ici avec le plateau, puis au lieu de le lancer comme tantôt, on va rembobiner comme ça. Donc, on peut jouer avec la vitesse aussi, est-ce que je vais rembobiner lentement ou rapidement, ou faire une combinaison des deux. Donc, même chose. On va baisser à 8 pendant les 4 premiers temps ici. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Bon tabarnak! C'est la rafale, on a vu le backspin qu'on lance, on a vu le rewind qu'on rembobine, puis maintenant la rafale de l'iPhone. Fait que lui, il va se faire, on va travailler sur le temps, sur la levée de temps. Fait qu'encore là, pendant 4, 2, 3, 4, on baisse le volume, puis pendant 5, 6, 7, 8, mais là on va les compter les levées de temps, ça va faire 5 et 6 et 7 et 8 et 4. Et puis, si le plateau, c'est vraiment important qu'on vienne le mettre avec de la résistance, donc le plus heavy possible pour que ça choppe vraiment, vu que c'est des mouvements rapides. OK? Donc, 5 et 6 et 7 et 8 et 4. OK? Ça filme? Parfait. On le fait. Je vais te le faire au 64 que tu vois vraiment le vrai impact qu'il a voulu de l'exercice. On va faire un petit cut de passage ici. Tant qu'à rester les doigts croisés. On se prépare mentalement.